Coucou, alors aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 où je vais vous présenter les livres que j'ai envie de relire et que j'ai lus pendant mon adolescence. Donc on va commencer par Le troisième vœu de Janet Rawlinson que j'ai reçu hier parce que je l'ai acheté sur Vinted et je suis trop contente. Je l'ai commencé hier du coup aussi et j'aime énormément ma lecture. Du coup ici on va suivre Savannah, une jeune adolescente de 16 ans qui va être trahie par son petit ami et sa grande sœur parce que ils vont sortir ensemble. Du coup, ça lui fait perdre un peu tous ses repères et du coup, elle va recevoir la visite de sa marraine bonne fée. Et du coup, cette marraine lui propose trois vœux. Et son premier vœu l'emmène dans la peau de Cendrillon. Son deuxième vœu l'emmène dans la peau de Blanche-Neige. Et son troisième vœu, qu'est-ce qui va se passer? Du coup, voilà, et j'ai un souvenir assez fort de ce livre. Je me rappelle quand elle était dans la peau de Cendrillon et la peau de Blanche-Neige. Enfin, j'ai des vagues souvenirs, hein, voilà. Mais je me rappelle plus de la fin. Je me rappelle que j'avais adoré, et là, encore une fois, je suis en train de le commencer, et j'adore encore ma lecture. Donc, j'ai trop hâte de le finir et de voir comment ça va se passer la fin, quoi. Qu'est-ce qui va se passer pour Savannah? Et je pense que ce sera le premier livre que je parlerai de cette dans un vlog parce que là, je le dévore en fait. Ça se lit tellement bien et j'adore. Elle est drôle aussi, l'autrice. Elle met des touches d'humour, donc c'est vraiment sympa. Ensuite, du coup, nous avons Love Letters to the Dead de Dava Delera. Et ça, je me rappelle que je le voyais énormément sur BookTube, notamment sur la chaîne Le Souffle des mots, la chaîne d'Audrey. Et du coup, dans ce livre, on va voir la vie de Laurel, qui a choisi d'écrire des lettres à des personnes mortes. Donc, il y a Kurt Cobain, mais il y a aussi Amy Winehouse dans mon souvenir. Parce que, en fait, si elle écrit à Kurt Cobain, c'est parce que sa grande sœur l'adorait et qu'elle est décédée. Et voilà. Et du coup, et je me rappelle avoir été énormément touchée par Laurel. Elle m'a vraiment, vraiment touchée. Je pense enfin, dans mes souvenirs, elle se posait vraiment des questions assez justes. Enfin, ouais, c'était vraiment une très chouette lecture. Ensuite, du coup, c'est un peu la même histoire. C'est Il faut sauver Zoé d'Alison Noël, où là on va retrouver encore une petite sœur qui raconte l'histoire de sa grande sœur qui est décédée aussi, mais sauf que là, en gros, c'est donc la petite sœur qui a trouvé le journal intime de Zoé, et du coup elle comprend ce qui s'est passé, et en fait, dans mon souvenir, je crois que Zoé voulait faire du mannequinat. Et en gros, ça s'est mal passé. Elle s'est fait piéger par un photographe. Et c'était une lecture qui m'a vraiment marquée. Et je trouve que c'est important d'en parler aussi. Et voilà, j'ai vraiment hâte de. En fait, j'ai hâte de tous les relire. Mais il y en a plus que d'autres. Il y en a, je sais que si j'ai pas le temps de les relire, bon, bah, c'est pas grave. Mais les deux, là, Love Letters et Il faut sauver Zoé, j'ai vraiment, vraiment envie de les relire. Ensuite, du coup, il y a Tant que nous sommes vivants d'Anne-Laure Bondoux. Donc ça, c'est pareil, c'est une histoire qui m'a vraiment marquée, que j'avais prise à la bibliothèque de ma ville. Et du coup, c'est l'histoire d'amour de Beau et Ama. Et j'ai pas envie d'en dire plus parce que j'ai pas beaucoup de souvenirs de cette histoire. Je sais qu'elle m'avait marquée parce qu'elle était très originale. Et quand je lisais, je m'imaginais vraiment les scènes. Enfin, ça m'emmenait vraiment loin. Voilà, je sais que ça se passait un peu dans la forêt aussi, mais c'est tout. Je veux pas en parler plus que ça parce que je veux vraiment m'y plonger sans rien savoir d'autre. Alors ensuite, j'ai mis La voleuse de livres de Marcus Uzac, mais je sais d'avance que je n'aurai pas le temps de le lire, je pense, cette année. Et même de base, quand j'étais ado, je l'ai même pas fini parce que j'avais trop envie de voir le film. Du coup, voilà, je pense que celui-là, je le mets en dernière option. Je préfère lire d'autres livres que là, qui sont dans cette série. En plus, je me rappelle assez bien du livre, donc voilà, je le mets là pour un jour, je le relirai, ça c'est sûr, parce qu'il m'avait vraiment marqué. Et du coup, ici, pour dire un peu le résumé, on va retrouver, en fait, le protagoniste de l'histoire, c'est la mort. Du coup, je trouve que c'est assez intéressant.
de façon de... Enfin, c'est original. Et du coup, en gros, on va retrouver le personnage de Liesel, qui est une petite fille orpheline qui va être recueillie par une famille allemande. Et voilà, et on va la voir grandir, parce que du coup, ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Et du coup, un jour, je dis pas comment, mais elle apprend à lire, et du coup, elle va sauver les livres qu'elle trouve, tous les livres qu'elle trouve, elle va essayer de les... Donc elle les vole et elle va essayer de les sauver. Et voilà, je ne dis pas... J'en dis pas plus parce que voilà, je garde une petite part de mystère. Voilà. Ensuite, nous avons Nous et moi de Delphine de Vigan. Ce livre, je crois que je l'avais étudié en cours. Alors, je sais plus si c'était en 3e, 4e, j'en sais rien. Je sais plus du tout. Du coup, c'est l'histoire de Lou qui a 13 ans et qui est très très intelligente. Et un jour, je crois qu'elle doit faire un... Je sais plus, un exposé ou je sais plus quoi. Et du coup, elle rencontre No, qui est une jeune SDF. Et du coup, elle va... Ils vont se lier d'amitié. Voilà, j'en dis pas plus. Mais voilà. Et pareil, j'ai plus trop de souvenirs de ce livre. Je sais que je sais que No était très froide. J'ai un souvenir comme ça. Que c'était un personnage assez distant, assez froid. Mais voilà, j'ai plus trop de souvenirs. Ensuite, du coup, nous avons Van Gogh de Timothée de Fombelle. Donc moi, j'ai l'intégrale, donc le tome 1 et le tome 2. Je triche complètement pour Van Gogh parce que je ne l'ai pas lu quand j'étais adolescente. Je l'ai lu, j'avais 20 ans ou 19. Mais j'aurais adoré le lire quand j'étais ado parce que ce livre, il m'a fait voyager. En fait, je n'ai pas envie de faire un résumé... Je sais même pas en fait comment résumer ce livre tellement qu'il y a énormément de choses à dire. C'est l'histoire de Van Gogh et de sa vie en fait, de ses voyages, de ses rencontres. Et voilà, j'ai vraiment envie de le relire parce que j'avais adoré. Mais alors vraiment, c'est un de mes livres préférés. Voilà. Donc ensuite, on a le tome 2 et le tome 3 des Filles en chocolat. Donc le tome 2, Cœur guimauve, et le tome 3, Cœur mandarine. Et donc, je les avais lus, j'étais au collège. Et en fait, c'est les deux seuls tomes que j'ai aimés parce que j'ai lu le tome 1, j'ai pas aimé. Et le tome 3,5, je crois, sur Sky, là. Non, pas Sky. Bon, le garçon, je sais plus comment il s'appelle. Et ben j'avais pas aimé, donc en fait je me dis bah autant que je relise que les livres que j'ai aimés et puis voilà. Et du coup bah je vais pas trop faire un résumé parce que bah ça va spoiler, mais en gros le tome 2, en fait chaque tome de cette série c'est sur une sœur différente parce que je crois qu'il y a 5 sœurs en tout et voilà. Et là du coup je crois, si je me trompe pas, que c'est des jumelles, Sky et Summer, voilà. Donc le tome 1 c'est Sky, le tome 2 pardon c'est Sky et le tome 3 c'est sur Summer, voilà. Donc le gars il s'appelle pas du tout Sky, le gars il s'appelle, je sais plus comment il s'appelle. Voilà, et du coup je fais un petit un joker, je sais pas comment dire ça. Mais j'ai rajouté un livre que j'ai jamais lu mais que je voulais lire, je sais qu'il était longtemps dans ma wishlist à l'époque. Il s'agit de April, May et June de Robin Benway. Et du coup, c'est l'histoire de ces trois sœurs qui découvrent qu'elles ont trois pouvoirs. Donc, April, elle découvre qu'elle peut prédire l'avenir. May découvre qu'elle peut être. Elle a le pouvoir d'invisibilité. Et June découvre qu'elle peut lire dans les pensées. Et en fait, j'ai toujours voulu lire et je ne l'ai jamais lu. Et du coup, je me dis, bah, autant en profiter de faire ce genre de vidéo pour pouvoir lire ces livres. Peut-être que je rajouterai d'autres livres aussi que je retrouve dans mes carnets, dans mes wishlists d'avant. Et puis, je les rajouterai dans ce challenge, je ne sais pas. Mais je pense que je me dis, c'est l'occasion de le lire, en fait. C'est vrai que la couverture, elle me rappelle énormément de souvenirs. J'avais vraiment envie de le lire. Donc voilà, je suis trop contente de faire cette vidéo. J'ai trop hâte de redécouvrir toutes ces histoires.
J'ai hâte de voir si mon avis a changé parce que y a des histoires que j'ai encore en tête et que je me souviens assez bien. Par exemple, le tome 2 des Filles au chocolat, j'avais vraiment aimé. Et je pense que ça va se lire tout seul. Il y a des livres comme ça, ils vont se lire tout seul. Par exemple, Il faut sauver Zoé, je pense que ouais, ça va. Enfin voilà, j'ai vraiment hâte de les relire. Et voilà, dites-moi en commentaire, vous, quels sont vos livres spéciaux ados, spéciaux enfance et tout, et si vous avez envie d'en relire ou pas. Voilà, moi je suis très heureuse de faire, de faire ce challenge. Voilà, à bientôt!